aujourd'hui, on est lundi le 29 mars. Donc, je me suis fait une petite liste de choses à faire aujourd'hui. Parce que je vous avoue que ces derniers jours, ben, il faisait pas beau. Hein? C'était une fin de semaine vraiment grise. Fait que j'ai pas fait grand chose à part écouter une nouvelle série. C'est New Amsterdam sur Netflix. C'est tellement bon. Là, il y a 2 saisons puis j'ai déjà fini presque. Mais bon, puis je faisais ça en tricotant des petites pantoufles pour mes commandes, fait que c'était quand même productif, mais j'ai pas mal juste fait ça les derniers jours, donc c'est ça, là, faut que je m'en mette un peu dedans, j'ai des trucs d'école à faire un petit peu, donc je vous dis ça. Faut que je fasse, que je termine un travail, c'est une fiche de choix éclairée sur l'acide folique, puis il faut que je prépare un oral de 3 minutes par rapport à cette fiche-là, donc ça devrait pas me prendre trop de temps, là, d'après moi, bon, 40 minutes, je vais avoir terminé. Après ça, je veux emballer mes commandes de pantoufles puis aller les porter à la poste. Faut aussi que je coule les étiquettes, là, je les ai pas mis encore. Après ça, je veux préparer un sac parce que je m'en vais voir ma famille mercredi. Donc, je veux tout préparer les trucs qu'il faut que j'apporte. Puis, je veux faire du montage de vlog. Donc, celui-là, puis un autre que j'avais fait, que je vous montre, un gros meal prep. Je sais pas quel que je vais mettre en premier encore, mais on verra. Donc, c'est pas mal ça qu'on fait aujourd'hui. On prend notre première gorgée de café ensemble. Là, il est déjà 1 h. Un matin, j'ai vraiment pris ça mollo. Fait que c'est ça. Ah, on a le droit. Ça rend bon. Je mets la crème à café à l'érable, c'est extra bon. C'est vraiment très bon, vous essayez ça. Donc, continue au travail. Thank you.
Il fait noir. J'ai emballé mes commandes tantôt. Je suis toute allée les porter à la poste. Je suis bien, bien contente de ça. On est allé prendre une marche aussi. Puis quand je suis revenue, j'ai fait le montage d'un de mes vlogs là, que je vous parlais ce matin. Puis là, je vais m'apprêter à faire la vaisselle, faire le souper. On va manger du spaghetti avec la sauce à spag que j'ai faite cette semaine. Ben, la semaine passée. Donc c'est ça. Sinon, il n'y a pas grand chose d'autre qui se passe aujourd'hui. C'est une journée bien tranquille, mais j'aime quand même ça vous apporter avec moi puis vous montrer qu'est-ce que je fais. Même en ces journées moins excitantes, moins palpitantes. Donc c'est ça. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on est vendredi le 9 avril. Début de mon nouveau setup que j'ai fait aujourd'hui. Je vais vous le montrer plus en détail là, tantôt ou demain. Là. Et dans le fond, j'étais allée voir ma famille, c'est vraiment super le fun. Puis là, on est revenu cette semaine. Puis j'ai fait des petits achats, donc j'avais envie de vous montrer ça. Donc tantôt, je suis allée au Walmart. J'ai acheté ces coussinets-là. Et ceux-là. Pour le set ici. J'ai acheté des supports parce qu'on n'en a plus. Ben en fait, on n'en a pas assez. On n'en a jamais assez. J'ai acheté plein de laine comme ça. Oups. Jaune. Petit blanc. Trois autres. Trois. Parce que j'ai des amis qui m'ont demandé de leur faire des petits tops pour l'été. Genre des crop tops là, au crochet. Donc je vais leur faire ça. Donc je suis allée acheter la laine. Celle-là, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est de l'acrylique Berna. Puis, et 4$ la grosse balle de laine, comme ça. Ben, ça, c'est super le fun. J'ai aussi. J'ai aussi acheté une paire de pantalons, comme ça. C'est comme. Je pourrais pas vraiment vous dire le tissu, là. J'aime vraiment beaucoup. Je les porte souvent. Fait que je m'en suis racheté une paire, c'est Walmart que j'ai écrit. Puis ça va vraiment être pratique pour mes stages aussi, pour les accouchements, là, quand il faut être habillé plus en mou. Fait que je suis bien contente de ça. Donc c'est tout ce que j'ai pris au Walmart. J'ai aussi acheté des choses pour se faire une petite planche pour ce soir. On va manger ici, sur notre balcon, dans notre nouveau setup. Fait, je vous montrerai pas ce que j'ai acheté, je vous montrerai. Pour ma compagnie de pantoufles, j'ai commandé d'autres laines. Donc j'ai repris crème, trois fois. J'ai repris la couleur café, puis j'ai décidé d'acheter deux nouvelles couleurs pour offrir ça. Donc on a un beau bleu marin ici, il est vraiment vraiment beau. Je pense que c'est mon préféré. Vraiment belle couleur. Puis un bourgogne rose. Vraiment beau aussi. Donc j'ai vraiment hâte de faire les nouvelles couleurs. Ça va être vraiment beau. Fait que c'est ça. Aujourd'hui on a, je suis... Mais dans le fond je cherchais des idées pour un patio. Mais pour le balcon, pour l'aménager, que ça soit plus à mon goût et confortable. Puis là, tu sais, il y avait des affaires avec des bancs, puis tout fait pour le balcon. Puis là, j'allais voir sur les sites, puis c'était comme 400, 500, 600 piastres. Là, j'étais genre, ça n'a pas d'allure, je vais pas acheter ça. Puis là, je trouvais une idée sur Pinterest avec des palettes de bois, que je vais vous montrer après. Puis là, j'étais comme, ok, ça serait une bonne idée, mais où c'est qu'on achète ça des palettes de bois? Puis là, je fais une petite recherche sur Internet, puis ça m'emmène sur Kijiji. Sur une annonce d'un gars qui habite à 10 minutes de l'appart. Fait que là, j'étais comme ok, wow. Il vendait 15$ chaque. Puis ils sont vraiment en bon état, là, sont neufs là, quasiment. Donc j'étais comme ok, ben, je vais y en acheter. J'en ai acheté 3. Fait que ça fait quoi, 45$. Ce qui est vraiment pas cher. J'étais ok, je vais les prendre, je vais les acheter. Fait que dans le fond, j'ai deux d'épaisseur pour faire le bout, puis j'en ai une pour faire en arrière. Puis après ça, ben là, j'étais comme, il me faut des coussins maintenant. Fait que là, j'étais allée au Walmart. Puis il fallait déjà que j'achète la laine là, que je parlais tantôt pour mes amis. Fait que j'ai décidé de prendre les coussins à la même place. Les coussins, ça c'était 45$, puis ça c'était 10$. Donc, il était quand même cher, il était plus cher que la base. Mais là, ça me tentait pas de faire 60 magasins puis d'essayer d'en trouver des moins chers. Tu sais, c'est des bons coussins là, qui sont, mettons, imperméables. Fait que s'ils mouillent, c'est pas grave, puis tout ça. Fait que je les ai pris. C'est des coussins qui sont collés ensemble, genre comme ça. Là. Le bas il est carré et il est collé au top. Fait que j'ai acheté ça. Ouais, je suis vraiment, vraiment contente. Puis on a mis une petite doudou, puis j'ai racheté un coussin qu'on n'a pas besoin dans nos lits.
Puis tu sais, tu peux vraiment. Tu peux même tout mettre les coussins sur le côté, là. Comme ça. Te mettre dans le coin, mais là, je suis mal arrangée. Te mettre dans le coin, puis d'étaler tes jambes. Puis ça fait un lit. Tu peux faire une sieste. Là, t'as la vie. Waouh. Ah, je suis belle. Meilleur DHE de cette année. C'est ça. Je suis bien contente de ça. Bien contente. Bien contente. Bien contente. Ok, c'est ça que je voulais vous montrer. Puis là, on va se faire une petite soirée sur le balcon en amoureux. On va boire du petit vin. Puis on va se faire une planche, comme j'avais dit. Puis c'est ça. Là, je vais vous montrer de l'autre vue, de l'autre point de vue. Ça a l'air de ça. Ici, là, elles sont pas égales. Mais c'est des palettes de bois comme ça. J'ai tout passé à la balayeuse, nettoyée. Puis il y en a un autre en arrière. C'est vraiment cool. C'est vraiment grand. J'ai mis un petit pouf que j'avais dans la chambre là, qui servait à rien. Puis notre table ici. Il manquerait juste des petites lumières là. Puis il y a même une prise ici. Fait que si tu veux brancher quelque chose, écouter un film, c'est hot, hein? Servi sur notre magnifique terrasse. Ah, t'es-tu fière de moi, tout ce que j'ai fait? Tu m'as même pas aidé. Non, il est venu chercher les planches avec moi. Wow, puis on va boire un vin biologique. Mayas. C'est ma grand-mère qui nous a donné du vin bio et pas trop de sucre avant qu'on parte. Wow. Wow! Chaud, c'est de près du vin. Check, le ciel est rose. Je vais leur montrer. Ouais. Donne-moi le vin, puis après on va ensemble. Ah, il sent vraiment bon, c'est lui, il a l'air bon. Hé, bah attends-moi! On va faire ça, chin-chin. Quatre fois. Ah! Non, ça va faire un dégât, c'est une boucle, c'est lui. Gorgée. Oh my god, c'est bon! Ouais, c'est bon.